Je suis Denis Van Cleef, je suis directeur du développement culturel à la ville de Montreuil. La danse hip-hop à Montreuil, c'est une longue histoire, il y a une longue tradition. Je pense que Montreuil a été une des terres un peu de prédilection pour le hip-hop. Et particulièrement pour la danse, alors pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est un mouvement qui s'est développé pas mal dans les quartiers populaires, et puis aussi historiquement parce qu'à Montreuil, il y avait une boîte de nuit alors que les gens dans les années 80 ont connu, où beaucoup de jeunes venaient se retrouver à Montreuil pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir danser, et puis il y avait ce mouvement hip-hop qui arrivait, et du coup il y a eu une émulation des jeunes autour de cette figure de la danse qui était le hip-hop. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont constitués en partant de Montreuil. Il faut savoir qu'à Montreuil, il y a une couleur chorégraphique, je vais dire de l'époque de Macadam à l'époque de Etadam jusqu'à 109 et The Last, il y avait quand même une couleur chorégraphique et une touche chorégraphique. Nous, les danseurs de Montreuil, quand on passait sur scène, on savait que c'était des danseurs de Montreuil. Grand Fouet, déjà direct, parce que lui, c'est la première génération de danseurs à Montreuil. Fouet d'Amani, aka Funky Fouet. Donc je viens de Montreuil, je suis né à Montreuil. Macadam est né vraiment à partir de 89, lorsque la mairie de Montreuil a fait venir des professionnels, qui étaient le Black Bomber, pour nous apprendre à mettre en scène notre danse. Pas nous apprendre à danser, parce qu'eux, ils avaient l'expérience côté cours, côté jardin, ainsi de suite, pour le bicentenaire de la Révolution. On a fait le Festival de Beaubourg en 91, il y a tous les groupes hip-hop. On a fait première partie d'NTM en 90, je crois, à Montreuil. On a fait l'Opéra Comique en 1992. Là, c'était une jeune commande du théâtre contemporain de la danse, qu'on appelle le TCD. On était assez reconnus dans le milieu de la danse underground, en tant que groupe, parce qu'on faisait des scènes et des shows. Dans ma ville, il y avait le groupe, premier groupe Macadam, deuxième groupe Coréam, troisième groupe Etadam, il y avait 109 dont j'ai fait partie, il y a eu ensuite les petits d'Etadam dont aussi j'ai fait partie, ça s'appelait The Last. Le starter chez moi, c'est Jean-Michel, Messaoud, Maudi, voilà, c'est mes trois moteurs, mes trois grands frères. J'ai commencé la danse en 96. Ah, Tony, pour moi, c'est comme un petit frère. Ça veut dire que j'ai grandi avec lui, son frère. C'est mon meilleur ami. J'étais vraiment passionné, quoi. C'est vraiment la passion. Donc, t'es chaud, t'as envie de montrer les choses. Donc forcément, j'ai montré à son frère Jacob. Et lui, il était là, il regardait. Moi, je me rappelle que très vite, il a commencé déjà à choper un niveau en essayant, en répétant ses gammes et tout ça, que moi, j'essaie de lui montrer. Parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas encore YouTube. Donc YouTube, avoir l'accès aux vidéos, je me rappelle, c'était la galère. Il fallait récupérer une cassette ou alors t'allais les acheter au hall, les vieilles cassettes. C'était des compiles faites par les mecs et ils les revendaient, voilà, comme ça. J'avais déjà, moi, un réel plaisir à lui montrer ça. Et je voyais que dans ses yeux, ça brillait et que, tu vois, il voyait quelque chose à construire avec ça. Moi, du coup, moi, j'encourageais parce que moi, je suis toujours je pars du principe qu'il faut encourager les passions chez les gens. Alors peut-être que, ouais, c'est vrai, je l'ai engrainé. Bon. Mais moi, je suis content de l'avoir engrené là-dedans. Alors moi, c'est Messaoud Azrou. Donc j'ai enseigné pendant longtemps et j'étais dans la compagnie Etadam. Tony, ça fait partie des premiers à qui j'ai donné les bases. Après, bien sûr, il a fait son chemin, hein, mais tout au début, effectivement, on a senti tout de suite hein, qu'il aimait beaucoup ça. La danse, c'est pas juste bouger sur la musique, c'est se construire, c'est commencer une chose, la terminer, c'est retenir la gestuelle, c'est savoir se placer, c'est donc il y a une discipline qui s'impose.
pour qu'il y ait un bon résultat. Et cette discipline, elle se répercute partout. Je veux dire, à un moment donné, au début, on est danseur, on est jeune, après, on devient papa, etc. Bon, bah, si t'es pas à l'heure chez le dentiste, ça va pas. Si t'amènes pas tes enfants à l'heure, ça va pas. Si t'es pas. Voilà. Donc, à un moment donné, ça permet tout de même de se cadrer. C'est une danse qui vient de la rue. Et pour que les gens s'arrêtent et la regardent, il fallait faire des choses très démonstratives. C'est-à-dire que nous, les théâtres, nous étaient pas ouverts à la base. Donc, il fallait qu'on soit de plus en plus impressionnants. Et c'est vrai que ça évolue avec le temps, puis aussi avec l'âge du danseur. Je veux dire, à un moment donné, quand on demande de faire un solo et d'exprimer voilà, certaines émotions, il faut être capable de s'ouvrir, il faut être capable de montrer bah, que tu es tout simplement un homme avec un grand H. C'est un état d'esprit. Après, nous, on avait cet état d'esprit. En tout cas, nous, c'est le partage. C'est vraiment partager. Et dès que tu as quelque chose, bah ouais, bah tiens, tiens. Parce que de toute façon, c'est ça le partage. C'est tu donnes, mais tu sais que tu vas recevoir en échange. Tonise, moi, je le vois danser, je kiffe. Tony, c'est plutôt un artiste pour moi. C'est une énergie. Après, bien sûr, on connaît tous Tony avec son caractère, mais c'est un tout. Justement, être solaire, c'est aussi, il faut aussi prendre cette partie-là, qui est le caractère. On a tous des caractères, des égos, surtout en tant qu'artiste. Je dis toujours, il faut qu'on soit un peu égoïste artistiquement, égocentrique artistiquement, pardon. Sans être dans la vie comme ça. Mais pour ça, pour ce qu'on a envie de faire, à un moment donné, il faut penser à ce qu'on ressent soi, au fond de soi. En fait, c'est pas la danse que je reçois, c'est plutôt l'énergie. Macadam, ça nous a permis vraiment de voir qu'est-ce qu'on voulait faire de ça. Tu vois, on a créé un truc, on s'éclate, on danse ensemble, on est complètement passionné, on fait que de danser, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on le fait, on se sent bien. Je m'appelle Stéphanie Nataf. Et avec José, on a créé Coréam. J'aime à la fois, tu vois, la grâce divine, on va dire, allez, carrément, ce qu'on reçoit du mystère, la vie, de la spiritualité. Et j'aime à la fois la rue, tu vois, cette puissance du concret, de la vie matérielle. Et cette fusion des deux, j'avais envie de l'écrire. Et du coup, la rencontre avec Black Blamber, l'écriture chorégraphique, eh bien, ça nous a permis de décrire avec Coréam, d'aller vers la finesse d'un mouvement. Et moi, j'y ai insufflé, en fait, la grâce, la poésie que j'ai reçue, en fait. Je faisais que de transmettre ce que j'ai reçu, je ne sais d'où, tu vois, de ce que je suis. Tu te trouves, parce que dans la danse hip-hop, ce qui était à travailler, c'était de se trouver soi, en fait, pour pouvoir être respecté des autres. C'était toi, c'est quoi que tu as à nous donner? C'est quoi ta danse à toi? Qu'est-ce que tu as inventé, tu vois? La prouesse, elle était dans ce que l'on est. J'ai pu reconnaître la marque montreuilloise en allant voir d'autres spectacles ailleurs. La manière d'écrire la lumière, la manière de composer chorégraphiquement sur scène l'espace, la manière des costumes, la manière de saluer. Je nous ai reconnus. C'est ce métissage, c'est Montreuil. Ça, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer ce que crée la rencontre de certaines personnes dans un certain lieu. Ça ne se raconte pas, ça se voit, ça se vit. C'est inexprimable, mais en tout cas, ouais, c'est il y a une marque, quoi. C'est Montreuil City, c'est ce que c'est, quoi. Ouais.